Les pisteurs en 2 minutes par Exodus Privacy. Tous les jours, Camille utilise des applications sur son téléphone qui lui rendent bien service. Elle lui donne par exemple la météo, le solde de son compte en banque, ou bien lui permettent de suivre sa glycémie puisque Camille est diabétique. Mais ce que Camille ne sait pas, c'est que dans chacune de ces applications, il y a des pisteurs. Ces pisteurs ont été rajoutés au moment de la création de l'application dans un seul but, pouvoir collecter des données. Par exemple, l'endroit où vit Camille, le lieu où elle travaille, ou bien la pharmacie où elle renouvelle son traitement médical. Ces pisteurs permettent à la personne qui a créé l'application plusieurs choses. Tout d'abord, de savoir qui utilise l'application, d'en connaître l'audience. Mais aussi, si l'application propose de la publicité, de cibler celle-ci au maximum. En effet, plus la publicité est ciblée, plus elle est efficace, donc plus elle rapporte d'argent. Et enfin, la personne à l'origine de l'application peut revendre les données collectées par les pisteurs. Mais ça, Camille, ça ne lui plaît pas trop, tous ces pisteurs qui collectent des choses sur elle, à son insu. Alors Camille, maintenant, quand elle installe une application, elle va d'abord sur Exodus Privacy. Cette plateforme analyse les applications gratuites du Google Store et détecte présence ou absence des pisteurs.